degrés. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Thomas Chenel sur Europe 1, 13h21. Thomas, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, la journaliste politique à Paris Match, Lou Fritel, et l'avocat Gilles-William Golnadel. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Il y a eu une fusillade cette nuit, quartier des Couronneries, à Poitiers. 5 blessés, fusillade après une rixe qui a suivi. 4 à 600 personnes sont impliquées, d'après le ministre de l'Intérieur. Il y a un point sur lequel insiste immédiatement Bruno Retailleau, c'est le lien avec le trafic de drogue. Il y a eu Rennes la semaine dernière, ce petit garçon de 5 ans blessé. On a appris aussi qu'il y a eu une blessure par balle à Clermont-Ferrand, un homme de 19 ans hier soir. À Valence, en France, une fusillade devant une boîte de nuit a fait 3 blessés, dont un grièvement à la tête. Ce qui se passe à Poitiers, Lou Fritel, qu'est-ce qui vous impressionne le plus ? Alors, il se trouve qu'il y a quelques années, je travaillais sur la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, et donc j'ai été amenée à parler avec des procureurs anti-mafia, qui tous m'ont dit la France et d'autres pays européens ne se rendent absolument pas compte qu'aujourd'hui, des mouvements comme ceux que nous connaissons, qu'on peut peut-être pas encore appeler mafia, existent, et qu'il n'y a aucune vraie réponse répressive qui est engagée, et qu'il devrait être une réponse européenne. C'est-à-dire que la France, depuis des années, est un est sur le trajet des drogues, des trafics, etc. Et c'est seulement aujourd'hui qu'on s'aperçoit de l'ampleur du phénomène. Nous avons des zones qui sont complètement contrôlées, effectivement, par des gangs qui sont liés à d'autres organisations en Europe et ailleurs dans le monde. C'est ça, Gilles-William Golnadel. On assiste à une montée en puissance des réseaux de trafiquants qui ont de plus en plus de moyens, finalement, pour mener à bien leur commerce. Je n'invalide pas ce qui vient d'être dit par Lou. Mais moi, ce qui me frappe davantage encore, c'est le nombre. Quand vous me parlez de 600 protagonistes, je ne voudrais pas que le narcotrafic dissimule le caractère maintenant massif du nombre de voyous, du fait que les policiers sont absents des quartiers problématiques et que ces gens-là ont une impression légitime d'impunité. La réalité, elle est là. Et derrière cela, pardon de me répéter, mais si on ne veut pas voir le phénomène migratoire, on est condamné à ne rien voir du tout. Précisons que c'était 4 à 600 personnes qui étaient rassemblées donc sur cette place Coimbra à Poitiers. Tous ne sont peut-être pas impliqués, mais il y a un sentiment de dérive. J'aimerais qu'on accueille sur Europe 1 Étienne Blanc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le sénateur Les Républicains et co-rapporteur de la commission d'enquête sur la lutte contre le narcotrafic. Étienne Blanc, j'ai l'impression que ce qu'il s'est passé cette nuit est un condensé. Poitiers, ville moyenne, des jeunes ados blessés, une violence décomplexée, c'est ça l'état du trafic de drogue en France ? Le rapport que nous avons commis avec Jérôme Durin, qui présidait la commission d'enquête. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit d'abord, et ça a été très bien expliqué il y a quelques instants, que la France réagit avec retard. Et là, c'est pas dans le seul domaine. Hein. On attend que les phénomènes nous débordent avant d'essayer d'apporter des mesures fortes. On dit ensuite dans notre rapport qu'on n'en a pas tout à fait pris la mesure de l'ampleur du phénomène. Et mon confrère Golnadel disait, il y a beaucoup de participants dans ces opérations. Oui, c'est 240 000 personnes aujourd'hui en France qui directement ou indirectement vivent du trafic de drogue. 240 000 personnes. On n'a pas pris non plus conscience de l'importance du chiffre d'affaires généré par le trafic de drogue. C'est environ 6 milliards de chiffre d'affaires avec un résultat net qui est de l'ordre de 3 à 4 milliards d'euros. Et ça dure depuis un demi-siècle. Et alors pourquoi on n'arrive pas à freiner cette dérive, argent a été stocké. Étienne Blanc, pourquoi on n'arrive pas à freiner cette dérive ? Je pense que, comme je disais il y a quelques instants, s'il prend avec retard, on n'a pas pris conscience de ce phénomène. Et puis, il faut dire les choses comme elles sont. Enfin, comment fumer de la drogue ou une ligne de cocaïne, dans certains milieux, ça a été, je dis pas bien vu, mais très toléré. Hein, dans les milieux culturels, ma foi, et que ce soit le cinéma ou que ce soit la littérature,
On dit, bon, finalement, ça peut être toléré, ça peut être accepté, mais chaque fois que vous faites une ligne de coke, vous avez derrière un trafic qui permet d'acheminer en France cette cocaïne. Et ce sont de véritables entreprises qui se sont construites. Et on a toléré la drogue, on a permis à ces entreprises de se construire, et aujourd'hui, elles sont d'une puissance extraordinaire. La drogue, c'est assez simple, hein. C'est un organisateur, il a une entreprise, il est souvent à l'étranger, ou il peut être à l'étranger, et puis en bas, c'est un consommateur, il faut organiser toute la chaîne, il pratique le taylorisme, hein. On divise les tâches. Aujourd'hui, on ne transporte plus la drogue avec un seul commanditaire d'Amérique du Sud jusqu'en France. Il y a 4 ou 5 intermédiaires, donc c'est extrêmement compliqué. C'est une entreprise très bien organisée. C'est à l'exécutif de se saisir de ces récentes affaires. Ça doit monter jusqu'au sommet de l'État. Bien sûr. On a rencontré récemment le Premier ministre, Michel Barnier. Il l'a parfaitement compris. Et Bruno Retailleau l'a parfaitement compris. On a préparé avec Jérôme Durain une proposition de loi. J'espère qu'elle sera examinée très rapidement par le Sénat et ensuite par l'Assemblée nationale. Mais je crois qu'il faut être très très clair. Il faut que l'État se donne les moyens. Alors, dans la proposition que nous faisons et dans le rapport que nous avons commis, il y a toute une série de moyens. Hein, développer, par exemple, le système des repentis. Comment est-ce qu'on a fait ? On a contraint la mafia en Italie avec des repentis, et des repentis de premier ordre, qui étaient au sommet du spectre, qui ont pu donner des réseaux entiers. On a, par exemple, proposé aussi de changer le statut des informateurs. Comment peut-on faire tomber un réseau quand on ne peut pas l'infiltrer avec des informateurs civils ? Aujourd'hui, si vous faites rentrer un civil dans un réseau, si vous l'instrumentalisez, si vous lui demandez d'acheter, recueillir de l'argent et de vous donner des informations, vous êtes complice de l'infraction, vous pouvez même être co-auteur. Pire encore, on peut dire, mais vous avez provoqué l'infraction, ce qui fait tomber les procédures. La France n'est pas armée pour lutter contre ce phénomène. Ne s'en est pas donné les moyens juridiques et les moyens matériels. Et il va falloir changer donc la législation. Merci beaucoup, Étienne Blanc, d'être venu sur Europe 1, sénateur Les Républicains, co-auteur du rapport de la commission de lutte contre les narcotrafics. Merci d'être venu. Lou Fritel, Gilles-William Goldenel, vous restez avec nous. On va juste marquer une petite pause sur Europe 1. On va faire le rappel des titres de toute l'actualité dans un instant. Et puis après, on poursuit le débat, bien sûr, sur cette situation dramatique à Poitiers la nuit dernière. Et vous aussi, vous pouvez réagir avec Thomas Schnell de 13h à 14h. Vous composez le numéro du standard d'Europe 1. C'est le 01 80 20 39 21. Europe 1 13h. Faire. Europe 1, le journal permanent. À 13h31 sur Europe 1, toute l'actualité avec vous, Thomas Schnell. Un nouvel épisode de violence inacceptable déplore la maire de Poitiers, Léonore Monconduit, alors qu'une fusillade suivie d'une rixe a fait 5 blessés hier soir dans sa ville. L'édile juge particulièrement frappante et préoccupante la genèse des victimes et des personnes impliquées. Elle en profite pour saluer la mobilisation des forces de sécurité et leur présence renforcée à venir. Le Premier ministre libanais affirme que l'extension des frappes d'Israël signalée le refus de l'État israélien de tous les efforts déployés pour un cessez-le-feu, alors que des émissaires américains ont tenté de négocier un arrêt des violences avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Une voiture s'est encastrée dans un bloc de béton au niveau du péage de Doubville dans l'Eure, sur l'autoroute A13 dans le sens Normandie-Paris. La préfecture confirme la mort de 3 hommes, les causes de l'accident restent à déterminer. Le bilan des inondations historiques cette semaine dans la région de Valence en Espagne atteint 205 morts. Les recherches se poursuivent pour retrouver des dizaines de personnes disparues. La partie sud-ouest de l'Andalousie, elle, a été placée en alerte rouge pour pluie. Et puis le SMIC augmente de 2%, 27,61 € par mois en plus, avec 2 mois d'avance, comme annoncé par le Premier ministre. Les retraites complémentaires du privé, elles, sont en hausse de 1,6%. 13h, 14h, Europe 1, 13h. 13h32 sur Europe 1, vous écoutez Thomas Schnell. Aujourd'hui, les narco-racailles n'ont plus de limites. Ce sont des individus, des trafiquants qui utilisent les moyens les plus féroces, les plus violents pour régler des comptes, pour satisfaire leur appât du gain. Simplement, ce que je veux dire, c'est que ça se passe pas en Amérique du Sud. Ouais. Ça se passe à Rennes. Ça se passe à Poitiers. Dans cette France de l'Ouest qui était réputée jadis pour sa tranquillité. On est, oui, à un point de bascule. Et je pense que le choix que nous avons aujourd'hui, c'est un choix entre une mobilisation générale ou alors la mexicanisation du pays. Vous venez d'entendre le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ce matin. Lou Fritel, journaliste à Paris Match. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle de point de bascule ?
Mais c'est-à-dire que, et je rebondis sur ce que disait Gilles William tout à l'heure, effectivement, dans des territoires, vous avez la représentation de l'État qui disparaît, la police, par exemple, qui deviennent des territoires où l'État est beaucoup moins fort. La nature a horreur du vide. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a de nouvelles féodalités qui se créent. Et ce sont des sociétés parallèles qui se créent. Et c'est en ça que nous sommes sur un point de bascule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un morcellement du trafic de drogue en France et des villes. On s'aperçoit qu'en réalité, presque toutes sont gangrénées, au moins dans l'ouest de la France, des villes qui sont finalement, qui vivent de ce trafic parallèle. Et c'est vrai que ce qui est énervant, c'est qu'on aurait pu s'en apercevoir pour une raison très simple, des années auparavant. C'est que dans la mesure où on est dans un système globalisé aujourd'hui, où le commerce est mondialisé, mais bien sûr que la mafia et le trafic de drogue se mondialisent. Aujourd'hui, pour acheminer, par exemple, des tonnes de cocaïne, c'est pas chaque organisation qui s'organise de son côté pour essayer d'aller en chercher en Amérique latine. Non, ils passent par des intermédiaires qui sont toujours les mêmes. Alors, généralement, c'est plutôt la Drangheta. Aujourd'hui, les Albanais le font aussi. Donc, c'est l'interface française qui se trouve vraiment au carrefour de l'Occident et en tout cas de l'Europe et de l'Amérique latine. Mais bien sûr qu'elle devait être touchée, notamment les côtes de l'Ouest. Vous avez utilisé un mot, Lou Fritel, la mexicanisation, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, Gilles-William Golnadel. À quel point est-ce que les narcotrafiquants risqueraient d'infiltrer la machine de l'État? Est-ce qu'il y a des fonctionnaires qui pourraient être corrompus par des narcotrafiquants? Ils en ont la capacité? C'est déjà fait. Je veux dire, lorsque le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, parle de narco-racaille, dans narco-racaille, il y a racaille. Si on ne veut pas voir la vision communautariste de cette affaire, on est condamné à la subir. Parce que quand on dit on n'a pas vu venir, on n'a pas voulu regarder. La réalité, c'est que dans les quartiers, il faut bien comprendre que les narco-racailles font partie du quartier. Ceux qui sont détestés, ce sont les policiers français. Il y a une vision communautariste. Si on veut pas la voir, on est condamné à ne rien voir. Je veux bien parler de mexicanisation, mais ils sont entre mexicains. La réalité, elle est comme ça. C'est encore pire. Donc, pardon, mais on a abandonné le territoire et la France maintenant est une immense banlieue. Maintenant, pour répondre plus directement à votre question, oui, déjà à Marseille. Ça a déjà été souligné par certains magistrats, d'ailleurs. Le phénomène de la corruption existe dans la police et sans doute aussi à l'intérieur de la justice. Il fonctionne d'ailleurs avec les deux mains, c'est-à-dire dans une main la carotte et dans une autre main le bâton. Donc l'alternative n'est pas très diabolique dans ce système-là. Donc oui. On est maintenant ceux qui en France avaient été préservés et dans ma vision de la justice sévère, déjà je le reconnaissais, c'est au moins il n'y avait pas de phénomène de corruption. Le risque est maintenant très grand. Gilles-William Golnadel, vous nous disiez que ces narco-racailles, pour reprendre l'expression de Bruno Retailleau, évoluaient comme des poissons dans l'eau dans certains quartiers. Alors comment on peut vider l'eau, Lou Fritel? Il faut s'en prendre aux consommateurs, il faut faire des enquêtes fiscales? C'est un vaste programme. Regardez, vous avez des pays qui sont gangrénés par des systèmes mafieux depuis des décennies et qui n'arrivent pas à en sortir. Alors, j'ai donné l'exemple d'un pays d'Amérique latine, malheureusement, le Salvador, est souvent donné en exemple, c'est-à-dire que le président est arrivé au pouvoir. Et là, c'est simple, toutes les personnes qui avaient des tatouages qui pouvaient les faire paraître affiliés à des mouvements mafieux, à des gangs, ont été mis en prison sans autre forme de procès. Donc c'est vrai que en soi, si on s'assoit sur une bonne partie des droits des accusés, on peut-être au moins essayer de commencer à endiguer le problème. Mais comment faire dans un système où on est quand même dans l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme aime bien aller regarder ce que font chacun des pays européens, et même quand une mesure est efficace, ne se prive pas pour taper sur les doigts du pays en question. Par exemple,
l'Italie a un système qui fonctionne très bien, c'est le principe, le régime du 41 bis, donc la mise à l'isolation de mafieux qui ne peuvent par exemple voir leur famille qu'une fois par mois à une heure. Et ça permet effectivement de couper ou au moins d'affaiblir très fortement des réseaux. Ils ont été condamnés par exemple par l'Union européenne. Lou Fritel, Julien Goldnadel, vous restez avec nous, puisque vous savez, dans Europe 1 13h, eh bien, on fait l'actualité avec nos auditeurs qui nous appellent au 01 80 20 39 21. Et je voudrais qu'on accueille Olivier, qui est avec nous par téléphone. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Vous êtes un habitant de Poitiers. Alors, on le dit, alors, Poitiers... Actuellement, non, j'ai quitté Poitiers il y a 5 ans. Vous avez vécu à Poitiers, 90 000 habitants. Est-ce que c'est une ville de 90 000 habitants, Poitiers, c'est une ville moyenne de région en France qui désormais semble en tout cas touchée par le narcotrafic? C'est inédit ce qui s'est passé hier soir, vous avez vu la ville changer? Ah bah absolument, il y a déjà eu des problèmes, des échanges de coups de feu dans certains quartiers il n'y a pas si longtemps. À ce moment-là, avant la nouvelle municipalité Europe Écologie Les Verts, la brigade de stupéfiants avait fait le nécessaire rapidement, sentant monter justement les problèmes liés au narcotrafic. Et là, bah, actuellement, Poitiers enchaîne, hein, au niveau de la criminalité, des églises incendiées, le trafic des stupes qui repart de plus belle, et puis des noms de villes rebaptisés par un chef terroriste, je crois que c'est le chef du Hamas. Donc c'est la fête, j'ai envie de dire, à Poitiers actuellement, avec une municipalité qui fait rien. Le régalien ne fait pas partie de leur vocabulaire, en fait, hein. La priorité, c'est la végétalisation, uniquement la végétalisation des quartiers, des trottoirs. Et le reste, on a l'impression que, c'est loin d'être une priorité. Je crois que le préfet de Poitiers, en désaccord d'ailleurs avec la maire de Poitiers, qui a été élue, c'est une jeune maire totalement incompétente, hein, qui est très jeune maire. Et je veux dire, ce qui se passe à Poitiers est à l'image de ce qui se passe à Grenoble, à Nantes, à Rennes, vous l'évoquiez tout à l'heure. Donc moi, je ne suis pas surpris par rapport à ce qui se passe. Et malheureusement, les gens sont très inquiets. J'imagine la réaction des gens dans les quartiers. Il faut savoir ce qui s'est passé hier soir. Habituellement, il y a un marché le dimanche. Et moi, ce marché, je l'ai vu décrépiter. Enfin, on a l'impression d'être place Jamel Lesna au Maroc, en fait. Hein. Et moi, je connais des gens qui n'y vont plus. Ils ont peur de se retrouver pris dans des embuscades, des problèmes liés à ce qui s'est passé cette nuit. Et j'ai l'impression qu'on bascule comme à Marseille. Hein. C'est-à-dire quand vous avez une voiture qui s'approche et qui rafale sur une terrasse, il n'y a pas tergiversé, quoi. Enfin, les faits sont là. Alors c'est très inquiétant. Moi, j'ai quitté le centre de Poitiers parce que je sentais basculer cette ville. Et il y a eu un changement de population radical. J'entendais il y a quelques années un éditorialiste qui intervient sur CNews dans l'émission de Christine Kelly qui disait qu'il y avait deux villes en Europe où la population africaine, Afrique noire, Maghreb, avait doublé en 30 ans. C'était Poitiers et Bruxelles. Je veux dire, je suis tombé de ma chaise quand j'ai entendu ça. Alors, il y a de quoi vraiment s'inquiéter. Merci Olivier d'être venu dans Europe 1. Gilles-William Goldnadel, vous êtes favorable à ce qu'a proposé Bruno Retailleau, une nouvelle loi pour renforcer l'arsenal contre ce type de trafic? Il voudrait quelque chose à l'image de ce qu'on fait contre le terroriste, contre le terrorisme, avec un parquet spécialisé? Oui, d'abord, je voulais féliciter l'intervention de l'auditeur, qui était assez complète pour expliquer le phénomène, y compris la responsabilité de certaines municipalités d'extrême-gauche qui ont encore aggravé le phénomène. Il arrive même des municipalités où il y a un certain entrisme, justement, de voyous. Donc, ça ne peut pas aller mieux. Oui, tout ce qui va dans le sens d'une plus grande rigueur, évidemment, est mien, si j'ose dire. Alors, bien entendu, il y a rigueur et rigueur. Lou évoquait le phénomène du Salvador, oui, sauf que Salvador, mais en même temps, les innocents en prison. Mmh. L'avocat qui vous parle est un peu réticent par rapport à cette méthode. Mussolini avait endigué la mafia, donc il faut comprendre aussi. Mais dans le cadre d'un régime démocratique de droite ou de gauche, pour ce lapsus, il y a des moyens. Les moyens légaux les plus rigoureux ont évidemment ma faveur, mais pardon, au risque de lasser et de me répéter, sans une politique migratoire digne de son nom, on ne fera qu'écoper. En un mot, Lou Fritel, pour terminer sur ce sujet, voilà, on a entendu le discours de fermeté de Bruno Retailleau.
c'est son grand défi de ce mandat, d'arriver à résorber le trafic. Je vais rejoindre Gilles Williams sur la partie immigration aussi. Les deux, en fait, ce sont deux sujets complémentaires. Dans la mesure déjà où l'immigration est une mafia, les passeurs qui permettent justement à des gens de venir en Europe, etc. Donc ce sont des trafics qui travaillent ensemble. Hein. C'est pas, il y a pas trafic de drogue d'un côté, trafic de migrants de l'autre. Mais en revanche sur la partie longueur, je pense que le trafic de drogue, le narcotrafic, est le défi du 21e siècle et qu'on n'a vraiment pas pris la mesure du tout. Mais là, c'est quelque chose qu'il faut travailler au niveau européen. À minima. L'un des autres grands défis de notre époque et de l'Europe, c'est de faire face à des catastrophes météorologiques comme ce qui s'est abattu sur Valence. Avons-nous suffisamment la culture du risque en Europe? Eh bien, on voit ça dans un instant. On marque une petite pause sur Europe 1. De 13h à 14h, vous écoutez Thomas Schnell sur Europe 1.